Je te remercie encore une fois, Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi, je suis, qui est capable. Nous sommes impressionnés par les miracles que nous venons d'entendre, les personnes qui ont eu la foi, qui ont cru en ta puissance et que tu as guéri au nom de Jésus. Je te remercie pour toute personne maintenant qui met la main là où elle souffre. C'est un signe de foi et ta parole est claire. Si nous croyons, celui qui croira verra ta gloire. Nous nous attendons à voir ta gloire. Je prie pour toute personne, Seigneur, qui s'attend à un miracle, qui s'attend à une guérison. Je te remercie parce que tu as déjà commencé à toucher des gens. Dieu est en train de toucher les gens maintenant, partout, dans les quatre coins du monde. Certains sentent quelque chose dans leur corps. Si tu sens quelque chose où tu ne sens pas, et la foi, Jésus est en train de te guérir. Il connaît ta maladie. Je vois des personnes qui ont des douleurs au niveau du dos. Jésus est en train de guérir les dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a une maman qui souffre énormément au niveau du dos, mais Jésus te guérit. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérisons au niveau du dos au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour cet homme. Il y a un homme qui souffrait beaucoup de l'estomac. Jésus te guérit. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Tu vas commencer à dormir sans douleur. Tu souffrais beaucoup. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche et commence à remercier Dieu pour ta guérison. Il y a un autre homme qui a des douleurs au niveau de la cuisse, ce qui est un problème de nerf sciatique. Jésus te guérit en ce moment même. Il y a notre dame qui a mis toutes ses deux mains sur le ventre parce qu'elle souffre beaucoup au niveau du ventre. Maintenant, tu peux recevoir la guérison. Dieu a vu ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour ce couple qui prie pour un enfant. Il y a un homme et une femme. Vous priez pour un enfant. Ça fait des années que vous attendez un enfant, mais Jésus vous a libéré maintenant et bientôt sa femme va concevoir. Commencez à remercier Dieu pour la conception très bientôt dans le nom de Jésus, vous aurez un enfant et vous allez donner gloire à Dieu. Vous allez louer le Seigneur. Il y a une maman qui met toutes ses deux mains sur la tête. Elle souffre beaucoup de maux de tête, mais Jésus la guérit tout de suite. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci pour cet homme qui souffre sur la jambe droite, un peu en bas du genou droit. Je te remercie pour cette douleur que tu es en train de guérir. Tu sens quelque chose. Tu souffres beaucoup, mais maintenant tu peux te lever, tu peux marcher au nom de Jésus. Il y a trois filles qui souffrent beaucoup des règles douloureuses. Quand vous allez dans les règles, que vous souffrez beaucoup, vous mettez vos mains sur le bas-ventre. Jésus est en train de vous guérir grâce à votre foi. Merci Seigneur pour cette dame qui souffre de l'infection. Il y a une dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire. Jésus te guérit tout de suite. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau du poignet gauche. Le poignet gauche te fait souffrir. Tu souffres beaucoup au niveau du poignet gauche, mais Jésus te guérit. Il y a une autre personne. J'ai déjà dit quelqu'un qui est guéri de l'œil gauche. Il y a une autre personne, une deuxième personne qui est guérie de l'œil gauche, qui souffrait au niveau de l'œil gauche. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de leur puissance. Ça fait plus d'une année que tu ne peux pas connaître ta femme, mais maintenant tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une dame qui est guérie de l'hypertension. Je te remercie Seigneur pour cette dame qui est guérie de l'hypertension. Il y a une autre personne qui est guérie au niveau du genou gauche au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui vomit, qui a diarrhée, vomissement. Ton enfant est guéri dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Je te demande à toute personne qui est en train de prier, commence à remercier Dieu. Commence à élever ta foi. Dis merci au Seigneur pour la guérison, que tu vois ça ou pas. Parce que la parole de Dieu dit, quand vous priez pour une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Il y a une autre personne qui souffrait au niveau de la côte. Dieu te guérit en ce moment même. Merci Seigneur pour ces guérisons. C'est le moment de remercier Dieu. Je demande à toute personne de remercier Dieu, que tu aies entendu ta maladie ou pas. Jésus a intervenu. C'est la foi qui compte. Je te remercie Dieu Tout-Puissant pour les témoignages, pour les enfants qui vont naître, pour les miracles qui vont s'opérer. On va entendre des témoignages qui proclament ta puissance. À toi seul, Seigneur, la gloire et l'honneur pour des siècles de siècles. Merci, Seigneur, pour toutes ces guérisons. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du bras gauche, au niveau du coude. Merci pour ton amour, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Je te remercie encore une fois, Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi, je suis, qui est capable. Nous sommes impressionnés par les miracles que nous venons d'entendre, les personnes qui ont eu la foi, qui ont cru en ta puissance et que tu as guéri au nom de Jésus. Je te remercie pour toute personne maintenant qui met la main là où elle souffre, c'est un signe de foi et ta parole est claire. Si nous croyons, celui qui croira verra ta gloire. Nous nous attendons à voir ta gloire. Je prie pour toute personne, Seigneur,
Seigneur, qui s'attend à un miracle, qui s'attend à une guérison. Je te remercie parce que tu as déjà commencé à toucher des gens. Dieu est en train de toucher les gens maintenant partout dans les quatre coins du monde. Certains sentent quelque chose dans leur corps. Si tu sens quelque chose où tu ne sens pas, et la foi, Jésus est en train de te guérir. Il connaît ta maladie. Je vois des personnes qui ont des douleurs au niveau du dos. Jésus est en train de guérir les dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a une maman qui souffre énormément au niveau du dos, mais Jésus te guérit. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérison au niveau du dos au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cet homme. Il y a un homme qui souffrait beaucoup de l'estomac. Jésus te guérit. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Tu vas commencer à dormir sans douleur. Tu souffrais beaucoup. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche et commence à remercier Dieu pour ta guérison. Il y a un autre homme qui a des douleurs au niveau de la cuisse, qui a un problème de nerf sciatique. Jésus te guérit en ce moment même. Il y a une autre dame qui a mis toutes ses deux mains sur le ventre parce qu'elle souffre beaucoup au niveau du ventre. Maintenant, tu peux recevoir la guérison. Dieu a vu ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour ce couple qui prie pour un enfant. Il y a un homme et une femme, vous priez pour un enfant. Ça fait des années que vous attendez un enfant, mais Jésus vous a libéré maintenant et bientôt sa femme va concevoir. Commencez à remercier Dieu pour la conception. Très bientôt, dans le nom de Jésus, vous aurez un enfant et vous allez donner gloire à Dieu. Vous allez louer le Seigneur. Il y a une maman qui met toutes ses deux mains sur la tête. Elle souffre beaucoup de maux de tête, mais Jésus la guérit tout de suite. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci pour cet homme qui souffre sur la jambe droite, un peu en bas du genou droit. Je te remercie pour cette douleur que tu es en train de guérir. Tu sens quelque chose. Tu souffres beaucoup, mais maintenant tu peux te lever, tu peux marcher au nom de Jésus. Il y a trois filles qui souffrent beaucoup des règles douloureuses. Quand vous allez dans les règles, vous souffrez beaucoup. Vous mettez vos mains sur le bas ventre. Jésus est en train de vous guérir grâce à votre foi. Merci Seigneur pour cette dame qui souffre de l'infection. Il y a une dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire. Jésus te guérit tout de suite. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau du poignet gauche. Le poignet gauche te fait souffrir. Tu souffres beaucoup au niveau du poignet gauche, mais Jésus te guérit. Il y a une autre personne. J'ai déjà dit quelqu'un qui est guéri de l'œil gauche. Il y a une autre personne, une deuxième personne qui est guérie de l'œil gauche, qui souffrait au niveau de l'œil gauche. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'œil puissance. Ça fait plus d'une année que tu ne peux pas connaître ta femme, mais maintenant tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une dame qui est guérie de l'hypertension. Je te remercie Seigneur pour cette dame qui est guérie de l'hypertension. Il y a une autre personne qui est guérie au niveau du genou gauche au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui vomit, qui a diarrhée, vomissement. Ton enfant est guéri dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Je te demande à toute personne qui est en train de prier, commence à remercier Dieu. Commence à élever ta foi. Dis merci au Seigneur pour la guérison, que tu vois ça ou pas. Parce que la parole de Dieu dit, quand vous priez pour une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Il y a une autre personne qui souffrait au niveau de la côte. Dieu te guérit en ce moment même. Merci Seigneur pour ces guérisons. C'est le moment de remercier Dieu. Je demande à toute personne de remercier Dieu que tu aies entendu ta maladie ou pas. Jésus a intervenu. C'est la foi qui compte. Je te remercie Dieu Tout-Puissant pour les témoignages, pour les enfants qui vont naître, pour les miracles qui vont s'opérer. On va entendre des témoignages qui proclament ta puissance. À toi seul, Seigneur, la gloire et l'honneur pour des siècles de siècles. Merci, Seigneur, pour toutes ces guérisons. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du bras gauche, au niveau du coude. Merci pour ton amour, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Je te remercie encore une fois, Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi, je suis, qui est capable. Nous sommes impressionnés par les miracles que nous venons d'entendre, les personnes qui ont eu la foi, qui ont cru en ta puissance et que tu as guéri au nom de Jésus. Je te remercie pour toute personne maintenant qui met la main là où elle souffre. C'est un signe de foi et ta parole est claire. Si nous croyons, celui qui croira verra ta gloire. Nous nous attendons à voir ta gloire. Je prie pour toute personne, Seigneur, qui s'attend à un miracle, qui s'attend à une guérison. Je te remercie parce que tu as déjà commencé à toucher des gens. Dieu est en train de toucher les gens maintenant partout dans les quatre coins du monde. Certains sentent quelque chose dans leur corps. Si tu sens quelque chose où tu ne sens pas, et la foi, Jésus est en train de te guérir. Il connaît ta maladie. Je vois des personnes qui ont des douleurs au niveau du dos. Jésus est en train de guérir les dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a une maman qui souffre énormément au niveau
niveau du dos, mais Jésus te guérit. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérison au niveau du dos au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cet homme. Il y a un homme qui souffrait beaucoup de l'estomac. Jésus te guérit. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Tu vas commencer à dormir sans douleur. Tu souffrais beaucoup. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche et commence à remercier Dieu pour ta guérison. Il y a un autre homme qui a des douleurs au niveau de la cuisse, qui a un problème de nerf sciatique. Jésus te guérit en ce moment même. Il y a une autre dame qui a mis toutes ses deux mains sur le ventre parce qu'elle souffre beaucoup au niveau du ventre. Maintenant, tu peux recevoir la guérison. Dieu a vu ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour ce couple qui prie pour un enfant. Il y a un homme et une femme. Vous priez pour un enfant. Ça fait des années que vous attendez un enfant, mais Jésus vous a libéré maintenant et bientôt sa femme va concevoir. Commencez à remercier Dieu pour la conception. Très bientôt, dans le nom de Jésus, vous aurez un enfant et vous allez donner gloire à Dieu. Vous allez louer le Seigneur. Il y a une maman qui met toutes ses deux mains sur la tête. Elle souffre beaucoup de maux de tête, mais Jésus la guérit tout de suite. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci pour cet homme qui souffre sur la jambe droite, un peu en bas du genou droit. Je te remercie pour cette douleur que tu es en train de guérir. Tu sens quelque chose. Tu souffrais beaucoup, mais maintenant tu peux te lever, tu peux marcher au nom de Jésus. Il y a trois filles qui souffrent beaucoup des règles douloureuses. Quand vous allez dans les règles, vous souffrez beaucoup. Vous mettez vos mains sur le bas ventre. Jésus est en train de vous guérir grâce à votre foi. Merci Seigneur pour cette dame qui souffre de l'infection. Il y a une dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire. Jésus te guérit tout de suite. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau du poignet gauche. Le poignet gauche te fait souffrir. Tu souffres beaucoup au niveau du poignet gauche, mais Jésus te guérit. Il y a une autre personne. J'ai déjà dit quelqu'un qui est guéri de l'œil gauche. Il y a une autre personne, une deuxième personne qui est guérie de l'œil gauche, qui souffrait au niveau de l'œil gauche. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'œil puissance. Ça fait plus d'une année que tu ne peux pas connaître ta femme, mais maintenant tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une dame qui est guérie de l'hypertension. Je te remercie Seigneur pour cette dame qui est guérie de l'hypertension. Il y a une autre personne qui est guérie au niveau du genou gauche au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui vomit, qui a diarrhée, vomissement. Ton enfant est guéri dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Je te demande à toute personne qui est en train de prier, commence à remercier Dieu. Commence à élever ta foi. Dis merci au Seigneur pour la guérison, que tu vois ça ou pas. Parce que la parole de Dieu dit, quand vous priez pour une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Il y a une autre personne qui souffrait au niveau de la côte. Dieu te guérit en ce moment même. Merci Seigneur pour ces guérisons. C'est le moment de remercier Dieu. Je demande à toute personne de remercier Dieu, que tu aies entendu ta maladie ou pas. Jésus a intervenu. C'est la foi qui compte. Je te remercie Dieu Tout-Puissant pour les témoignages, pour les enfants qui vont naître, pour les miracles qui vont s'opérer. On va entendre des témoignages qui proclament ta puissance. À toi seul, Seigneur, la gloire et l'honneur pour des siècles de siècles. Merci, Seigneur, pour toutes ces guérisons. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du bras gauche, au niveau du coude. Merci pour ton amour, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Je te remercie encore une fois, Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi, je suis, qui est capable. Nous sommes impressionnés par les miracles que nous venons d'entendre, les personnes qui ont eu la foi, qui ont cru en ta puissance et que tu as guéri au nom de Jésus. Je te remercie pour toute personne maintenant qui met la main là où elle souffre. C'est un signe de foi et ta parole est claire. Si nous croyons, celui qui croira verra ta gloire. Nous nous attendons à voir ta gloire. Je prie pour toute personne, Seigneur, qui s'attend à un miracle, qui s'attend à une guérison. Je te remercie parce que tu as déjà commencé à toucher des gens. Dieu est en train de toucher les gens maintenant, partout, dans les quatre coins du monde. Certains sentent quelque chose dans leur corps. Si tu sens quelque chose ou tu ne sens pas, et la foi, Jésus est en train de te guérir. Il connaît ta maladie. Je vois des personnes qui ont des douleurs au niveau du dos. Jésus est en train de guérir les dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a une maman qui souffre énormément au niveau du dos, mais Jésus te guérit. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérison au niveau du dos au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cet homme. Il y a un homme qui souffrait beaucoup de l'estomac. Jésus te guérit. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Tu vas commencer à dormir sans douleur. Tu souffrais beaucoup. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche et commence à remercier Dieu pour ta guérison. Il y a un autre homme qui a des douleurs au niveau de la cuisse,
qui a un problème de nerf sciatique. Jésus te guérit en ce moment même. Il y a notre dame qui a mis toutes ses deux mains sur le ventre parce qu'elle souffre beaucoup au niveau du ventre. Maintenant, tu peux recevoir la guérison. Dieu a vu ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour ce couple qui prie pour un enfant. Il y a un homme et une femme, vous priez pour un enfant. Ça fait des années que vous attendez un enfant, mais Jésus vous a libéré maintenant et bientôt sa femme va concevoir. Commencez à remercier Dieu pour la conception. Très bientôt, dans le nom de Jésus, vous aurez un enfant et vous allez donner gloire à Dieu. Vous allez louer le Seigneur. Il y a une maman qui met toutes ses deux mains sur la tête. Elle souffre beaucoup de maux de tête, mais Jésus la guérit tout de suite. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci pour cet homme qui souffre sur la jambe droite, un peu en bas du genou droit. Je te remercie pour cette douleur que tu es en train de guérir. Tu sens quelque chose. Tu souffrais beaucoup, mais maintenant tu peux te lever, tu peux marcher au nom de Jésus. Il y a trois filles qui souffrent beaucoup des règles douloureuses. Quand vous allez dans les règles, vous souffrez beaucoup. Vous mettez vos mains sur le bas ventre. Jésus est en train de vous guérir grâce à votre foi. Merci Seigneur pour cette dame qui souffre de l'infection. Il y a une dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire. Jésus te guérit tout de suite. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau du poignet gauche. Le poignet gauche te fait souffrir. Tu souffres beaucoup au niveau du poignet gauche, mais Jésus te guérit. Il y a une autre personne. J'ai déjà dit quelqu'un qui est guéri de l'œil gauche. Il y a une autre personne, une deuxième personne qui est guérie de l'œil gauche, qui souffrait au niveau de l'œil gauche. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'œil puissance. Ça fait plus d'une année que tu ne peux pas connaître ta femme, mais maintenant tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une dame qui est guérie de l'hypertension. Je te remercie Seigneur pour cette dame qui est guérie de l'hypertension. Il y a une autre personne qui est guérie au niveau du genou gauche au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui vomit, qui a diarrhée, vomissement. Ton enfant est guéri dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Je te demande à toute personne qui est en train de prier, commence à remercier Dieu. Commence à élever ta foi. Dis merci au Seigneur pour la guérison, que tu vois ça ou pas. Parce que la parole de Dieu dit, quand vous priez pour une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Il y a une autre personne qui souffrait au niveau de la côte. Dieu te guérit en ce moment même. Merci Seigneur pour ces guérisons. C'est le moment de remercier Dieu. Je demande à toute personne de remercier Dieu, que tu aies entendu ta maladie ou pas. Jésus a intervenu. C'est la foi qui compte. Je te remercie Dieu Tout-Puissant pour les témoignages, pour les enfants qui vont naître, pour les miracles qui vont s'opérer. On va entendre des témoignages qui proclament ta puissance. À toi seul, Seigneur, la gloire et l'honneur pour des siècles de siècles. Merci, Seigneur, pour toutes ces guérisons. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du bras gauche, au niveau du coude. Merci pour ton amour, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Je te remercie encore une fois, Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi, je suis, qui est capable. Nous sommes impressionnés par les miracles que nous venons d'entendre, les personnes qui ont eu la foi, qui ont cru en ta puissance et que tu as guéri au nom de Jésus. Je te remercie pour toute personne maintenant qui met la main là où elle souffre. C'est un signe de foi et ta parole est claire. Si nous croyons, celui qui croira verra ta gloire. Nous nous attendons à voir ta gloire. Je prie pour toute personne, Seigneur, qui s'attend à un miracle, qui s'attend à une guérison. Je te remercie parce que tu as déjà commencé à toucher des gens. Dieu est en train de toucher les gens maintenant, partout, dans les quatre coins du monde. Certains sentent quelque chose dans leur corps. Si tu sens quelque chose ou tu ne sens pas, et la foi, Jésus est en train de te guérir. Il connaît ta maladie. Je vois des personnes qui ont des douleurs au niveau du dos. Jésus est en train de guérir les dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a une maman qui souffre énormément au niveau du dos, mais Jésus te guérit. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérisons au niveau du dos au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cet homme. Il y a un homme qui souffrait beaucoup de l'estomac. Jésus te guérit. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Tu vas commencer à dormir sans douleur. Tu souffrais beaucoup. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche et commence à remercier Dieu pour ta guérison. Il y a un autre homme qui a des douleurs au niveau de la cuisse, qui a un problème de nerf sciatique. Jésus te guérit en ce moment même. Il y a notre dame qui a mis toutes ses deux mains sur le ventre parce qu'elle souffre beaucoup au niveau du ventre. Maintenant, tu peux recevoir la guérison. Dieu a vu ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour ce couple qui prie pour un enfant. Il y a un homme et une femme, vous priez pour un enfant. Ça fait des années que vous attendez un enfant, mais Jésus vous a libéré maintenant et bientôt sa femme va concevoir. Commencez à remercier Dieu pour la conception très bientôt dans le nom de Jésus.
Jésus, vous aurez un enfant et vous allez donner gloire à Dieu. Vous allez louer le Seigneur. Il y a une maman qui met toutes ses deux mains sur la tête. Elle souffre beaucoup de maux de tête, mais Jésus la guérit tout de suite. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci pour cet homme qui souffre sur la jambe droite, un peu en bas du genou droit. Je te remercie pour cette douleur que tu es en train de guérir. Tu sens quelque chose. Tu souffres beaucoup, mais maintenant tu peux te lever, tu peux marcher au nom de Jésus. Il y a trois filles qui souffrent beaucoup des règles douloureuses. Quand vous allez dans les règles, vous souffrez beaucoup. Vous mettez vos mains sur le bas-ventre. Jésus est en train de vous guérir grâce à votre foi. Merci Seigneur pour cette dame qui souffre de l'infection. Il y a une dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire. Jésus te guérit tout de suite. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau du poignet gauche. Le poignet gauche te fait souffrir. Tu souffres beaucoup au niveau du poignet gauche, mais Jésus te guérit. Il y a une autre personne. J'ai déjà dit quelqu'un qui est guéri de l'œil gauche. Il y a une autre personne, une deuxième personne qui est guérie de l'œil gauche, qui souffrait au niveau de l'œil gauche. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'œil puissance. Ça fait plus d'une année que tu ne peux pas connaître ta femme, mais maintenant tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une dame qui est guérie de l'hypertension. Je te remercie Seigneur pour cette dame qui est guérie de l'hypertension. Il y a une autre personne qui est guérie au niveau du genou gauche au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui vomit, qui a diarrhée, vomissement. Ton enfant est guéri dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Je te demande à toute personne qui est en train de prier, commence à remercier Dieu. Commence à élever ta foi. Dis merci au Seigneur pour la guérison, que tu vois ça ou pas. Parce que la parole de Dieu dit, quand vous priez pour une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Il y a une autre personne qui souffrait au niveau de la côte. Dieu te guérit en ce moment même. Merci Seigneur pour ces guérisons. C'est le moment de remercier Dieu. Je demande à toute personne de remercier Dieu, que tu aies entendu ta maladie ou pas. Jésus a intervenu. C'est la foi qui compte. Je te remercie Dieu Tout-Puissant pour les témoignages, pour les enfants qui vont naître, pour les miracles qui vont s'opérer. On va entendre des témoignages qui proclament ta puissance. À toi seul, Seigneur, la gloire et l'honneur pour des siècles de siècles. Merci, Seigneur, pour toutes ces guérisons. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du bras gauche, au niveau du coude. Merci pour ton amour, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Je te remercie encore une fois, Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi, je suis, qui est capable. Nous sommes impressionnés par les miracles que nous venons d'entendre, les personnes qui ont eu la foi, qui ont cru en ta puissance et que tu as guéri au nom de Jésus. Je te remercie pour toute personne maintenant qui met la main là où elle souffre. C'est un signe de foi et ta parole est claire. Si nous croyons, celui qui croira verra ta gloire. Nous nous attendons à voir ta gloire. Je prie pour toute personne, Seigneur, qui s'attend à un miracle, qui s'attend à une guérison. Je te remercie parce que tu as déjà commencé à toucher des gens. Dieu est en train de toucher les gens maintenant, partout, dans les quatre coins du monde. Certains sentent quelque chose dans leur corps. Si tu sens quelque chose ou tu ne sens pas, et la foi, Jésus est en train de te guérir. Il connaît ta maladie. Je vois des personnes qui ont des douleurs au niveau du dos. Jésus est en train de guérir les dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a une maman qui souffre énormément au niveau du dos, mais Jésus te guérit. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérisons au niveau du dos au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cet homme. Il y a un homme qui souffrait beaucoup de l'estomac. Jésus te guérit. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Tu vas commencer à dormir sans douleur. Tu souffrais beaucoup. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche et commence à remercier Dieu pour ta guérison. Il y a un autre homme qui a des douleurs au niveau de la cuisse, qui a un problème de nerf sciatique. Jésus te guérit en ce moment même. Il y a notre dame qui a mis toutes ses deux mains sur le ventre parce qu'elle souffre beaucoup au niveau du ventre. Maintenant, tu peux recevoir la guérison. Dieu a vu ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour ce couple qui prie pour un enfant. Il y a un homme et une femme. Vous priez pour un enfant. Ça fait des années que vous attendez un enfant, mais Jésus vous a libéré maintenant et bientôt, sa femme va concevoir. Commencez à remercier Dieu pour la conception très bientôt dans le nom de Jésus, vous aurez un enfant et vous allez donner gloire à Dieu. Vous allez louer le Seigneur. Il y a une maman qui met toutes ses deux mains sur la tête. Elle souffre beaucoup de maux de tête, mais Jésus la guérit tout de suite. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci pour cet homme qui souffre sur la jambe droite, un peu en bas du genou droit. Je te remercie pour cette douleur que tu es en train de guérir. Tu sens quelque chose. Tu souffres beaucoup, mais maintenant tu peux te lever, tu peux marcher au nom de Jésus. Il y a trois filles qui souffrent beaucoup des règles douloureuses. Quand vous allez dans les règles, vous
vous souffrez beaucoup, vous mettez vos mains sur le bas-ventre, Jésus est en train de vous guérir grâce à votre foi. Merci Seigneur pour cette dame qui souffre de l'infection. Il y a une dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire. Jésus te guérit tout de suite. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau du poignet gauche. Le poignet gauche te fait souffrir. Tu souffres beaucoup au niveau du poignet gauche, mais Jésus te guérit. Il y a une autre personne. J'ai déjà dit quelqu'un qui est guéri de l'œil gauche. Il y a une autre personne, une deuxième personne qui est guérie de l'œil gauche, qui souffrait au niveau de l'œil gauche. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'œil puissance. Ça fait plus d'une année que tu ne peux pas connaître ta femme, mais maintenant tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une dame qui est guérie de l'hypertension. Je te remercie Seigneur pour cette dame qui est guérie de l'hypertension. Il y a une autre personne qui est guérie au niveau du genou gauche au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui vomit, qui a diarrhée, vomissement. Ton enfant est guéri dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Je te demande à toute personne qui est en train de prier, commence à remercier Dieu. Commence à élever ta foi. Dis merci au Seigneur pour la guérison, que tu vois ça ou pas. Parce que la parole de Dieu dit, quand vous priez pour une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Il y a une autre personne qui souffrait au niveau de la côte. Dieu te guérit en ce moment même. Merci Seigneur pour ces guérisons. C'est le moment de remercier Dieu. Je demande à toute personne de remercier Dieu, que tu aies entendu ta maladie ou pas. Jésus a intervenu. C'est la foi qui compte. Je te remercie Dieu Tout-Puissant pour les témoignages, pour les enfants qui vont naître, pour les miracles qui vont s'opérer. On va entendre des témoignages qui proclament ta puissance. À toi seul, Seigneur, la gloire et l'honneur pour des siècles de siècles. Merci, Seigneur, pour toutes ces guérisons. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du bras gauche, au niveau du coude. Merci pour ton amour, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Je te remercie encore une fois, Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi, je suis, qui est capable. Nous sommes impressionnés par les miracles que nous venons d'entendre, les personnes qui ont eu la foi, qui ont cru en ta puissance et que tu as guéri au nom de Jésus. Je te remercie pour toute personne maintenant qui met la main là où elle souffre. C'est un signe de foi et ta parole est claire. Si nous croyons, celui qui croira verra ta gloire. Nous nous attendons à voir ta gloire. Je prie pour toute personne, Seigneur, qui s'attend à un miracle, qui s'attend à une guérison. Je te remercie parce que tu as déjà commencé à toucher des gens. Dieu est en train de toucher les gens maintenant, partout, dans les quatre coins du monde. Certains sentent quelque chose dans leur corps. Si tu sens quelque chose où tu ne sens pas, et la foi, Jésus est en train de te guérir. Il connaît ta maladie. Je vois des personnes qui ont des douleurs au niveau du dos. Jésus est en train de guérir les dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a une maman qui souffre énormément au niveau du dos, mais Jésus te guérit. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérisons au niveau du dos au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cet homme. Il y a un homme qui souffrait beaucoup de l'estomac. Jésus te guérit. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Tu vas commencer à dormir sans douleur. Tu souffrais beaucoup. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche et commence à remercier Dieu pour ta guérison. Il y a un autre homme qui a des douleurs au niveau de la cuisse, qui a un problème de nerf sciatique. Jésus te guérit en ce moment même. Il y a une autre dame qui a mis toutes ses deux mains sur le ventre parce qu'elle souffre beaucoup au niveau du ventre. Maintenant, tu peux recevoir la guérison. Dieu a vu ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour ce couple qui prie pour un enfant. Il y a un homme et une femme. Vous priez pour un enfant. Ça fait des années que vous attendez un enfant, mais Jésus vous a libéré maintenant et bientôt, sa femme va concevoir. Commencez à remercier Dieu pour la conception très bientôt dans le nom de Jésus. Vous aurez un enfant et vous allez donner gloire à Dieu. Vous allez louer le Seigneur. Il y a une maman qui met toutes ses deux mains sur la tête. Elle souffre beaucoup de maux de tête, mais Jésus la guérit tout de suite. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci pour cet homme qui souffre sur la jambe droite, un peu en bas du genou droit. Je te remercie pour cette douleur que tu es en train de guérir. Tu sens quelque chose. Tu souffres beaucoup, mais maintenant tu peux te lever, tu peux marcher au nom de Jésus. Il y a trois filles qui souffrent beaucoup des règles douloureuses. Quand vous allez dans les règles, vous souffrez beaucoup, vous mettez vos mains sur le bas-ventre, Jésus est en train de vous guérir grâce à votre foi. Merci Seigneur pour cette dame qui souffre de l'infection. Il y a une dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire, Jésus te guérit tout de suite. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau du poignet gauche. Le poignet gauche te fait souffrir, tu souffres beaucoup au niveau du poignet gauche, mais Jésus te guérit. Il y a une autre personne, j'ai déjà dit quelqu'un qui est guéri de l'œil gauche. Il y a une autre personne, une deuxième personne qui est guérie de l'œil gauche, qui souffrait au niveau de l'œil gauche.
gauche. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de la puissance. Ça fait plus d'une année que tu ne peux pas connaître ta femme, mais maintenant tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une dame qui est guérie de l'hypertension. Je te remercie Seigneur pour cette dame qui est guérie de l'hypertension. Il y a une autre personne qui est guérie au niveau du genou gauche au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui vomit, qui a diarrhée, vomissement. Ton enfant est guéri dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Je te demande à toute personne qui est en train de prier, commence à remercier Dieu. Commence à élever ta foi. Dis merci au Seigneur pour la guérison, que tu vois ça ou pas. Parce que la parole de Dieu dit, quand vous priez pour une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Il y a une autre personne qui souffrait au niveau de la côte. Dieu te guérit en ce moment même. Merci Seigneur pour ces guérisons. C'est le moment de remercier Dieu. Je demande à toute personne de remercier Dieu que tu aies entendu ta maladie ou pas. Jésus a intervenu. C'est la foi qui compte. Je te remercie Dieu Tout-Puissant pour les témoignages, pour les enfants qui vont naître, pour les miracles qui vont s'opérer. On va entendre des témoignages qui proclament ta puissance. À toi seul, Seigneur, la gloire et l'honneur pour des siècles de siècles. Merci, Seigneur, pour toutes ces guérisons. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du bras gauche, au niveau du coude. Merci pour ton amour, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Je te remercie encore une fois, Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi, je suis, qui est capable. Nous sommes impressionnés par les miracles que nous venons d'entendre, les personnes qui ont eu la foi, qui ont cru en ta puissance et que tu as guéri au nom de Jésus. Je te remercie pour toute personne maintenant qui met la main là où elle souffre. C'est un signe de foi et ta parole est claire. Si nous croyons, celui qui croira verra ta gloire. Nous nous attendons à voir ta gloire. Je prie pour toute personne, Seigneur, qui s'attend à un miracle, qui s'attend à une guérison. Je te remercie parce que tu as déjà commencé à toucher des gens. Dieu est en train de toucher les gens maintenant partout dans les quatre coins du monde. Certains sentent quelque chose dans leur corps. Si tu sens quelque chose ou tu ne sens pas, et la foi, Jésus est en train de te guérir. Il connaît ta maladie. Je vois des personnes qui ont des douleurs au niveau du dos. Jésus est en train de guérir les dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a une maman qui souffre énormément au niveau du dos, mais Jésus te guérit. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérisons au niveau du dos au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cet homme. Il y a un homme qui souffrait beaucoup de l'estomac. Jésus te guérit. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Tu vas commencer à dormir sans douleur. Tu souffrais beaucoup. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche et commence à remercier Dieu pour ta guérison. Il y a un autre homme qui a des douleurs au niveau de la cuisse, qui a un problème de nerf sciatique. Jésus te guérit en ce moment même. Il y a notre dame qui a mis toutes ses deux mains sur le ventre parce qu'elle souffre beaucoup au niveau du ventre. Maintenant, tu peux recevoir la guérison. Dieu a vu ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour ce couple qui prie pour un enfant. Il y a un homme et une femme, vous priez pour un enfant. Ça fait des années que vous attendez un enfant, mais Jésus vous a libéré maintenant et bientôt, sa femme va concevoir. Commencez à remercier Dieu pour la conception très bientôt dans le nom de Jésus, vous aurez un enfant et vous allez donner gloire à Dieu. Vous allez louer le Seigneur. Il y a une maman qui met toutes ses deux mains sur la tête. Elle souffre beaucoup de maux de tête, mais Jésus la guérit tout de suite. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci pour cet homme qui souffre sur la jambe droite, un peu en bas du genou droit. Je te remercie pour cette douleur que tu es en train de guérir. Tu sens quelque chose. Tu souffrais beaucoup, mais maintenant tu peux te lever, tu peux marcher au nom de Jésus. Il y a trois filles qui souffrent beaucoup des règles douloureuses. Quand vous allez dans les que vous souffrez beaucoup, vous mettez vos mains sur le bas ventre. Jésus est en train de vous guérir grâce à votre foi. Merci Seigneur pour cette dame qui souffre de l'infection. Il y a une dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire. Jésus te guérit tout de suite. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau du poignet gauche. Le poignet gauche te fait souffrir. Tu souffres beaucoup au niveau du poignet gauche, mais Jésus te guérit. Il y a une autre personne. J'ai déjà dit quelqu'un qui est guéri de l'œil gauche. Il y a une autre personne, une deuxième personne qui est guérie de l'œil gauche, qui souffrait au niveau de gauche. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de la puissance. Ça fait plus d'une année que tu ne peux pas connaître ta femme, mais maintenant tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une dame qui est guérie de l'hypertension. Je te remercie Seigneur pour cette dame qui est guérie de l'hypertension. Il y a une autre personne qui est guérie au niveau du genou gauche au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui vomit, qui a diarrhée, vomissement. Ton enfant est guéri dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Je te demande à toute personne qui est en train de prier,
prier, commence à remercier Dieu, commence à élever ta foi, dis merci au Seigneur pour la guérison, que tu vois ça ou pas. Parce que la parole de Dieu dit, quand vous priez pour une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Il y a une autre personne qui souffrait au niveau de la côte. Dieu te guérit en ce moment même. Merci Seigneur pour ces guérisons. C'est le moment de remercier Dieu. Je demande à toute personne de remercier Dieu, que tu aies entendu ta maladie ou pas. Jésus a intervenu. C'est la foi qui compte. Je te remercie Dieu Tout-Puissant pour les témoignages, pour les enfants qui vont naître, pour les miracles qui vont s'opérer. On va entendre des témoignages qui proclament ta puissance. À toi seul, Seigneur, la gloire et l'honneur pour des siècles de siècles. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du bras gauche, au niveau du coude. Merci pour ton amour, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Je te remercie encore une fois, Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est toi, je suis, qui est capable. Nous sommes impressionnés par les miracles que nous venons d'entendre, les personnes qui ont eu la foi, qui ont cru en ta puissance et que tu as guéri au nom de Jésus. Je te remercie pour toute personne maintenant qui met la main là où elle souffre. C'est un signe de foi et ta parole est claire. Si nous croyons, celui qui croira verra ta gloire. Nous nous attendons à voir ta gloire. Je prie pour toute personne, Seigneur, qui s'attend à un miracle, qui s'attend à une guérison. Je te remercie parce que tu as déjà commencé à toucher des gens. Dieu est en train de toucher les gens maintenant partout dans les quatre coins du monde. Certains sentent quelque chose dans leur corps. Si tu sens quelque chose ou tu ne sens pas, et la foi, Jésus est en train de te guérir. Il connaît ta maladie. Je vois des personnes qui ont des douleurs au niveau du dos. Jésus est en train de guérir les dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a une maman qui souffre énormément au niveau du dos, mais Jésus te guérit. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérisons au niveau du dos au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour cet homme. Il y a un homme qui souffrait beaucoup de l'estomac. Jésus te guérit. Tu vas commencer à manger ce que tu ne mangeais pas. Tu vas commencer à dormir sans douleur. Tu souffrais beaucoup. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre au niveau de l'œil gauche. Mets ta main sur l'œil gauche et commence à remercier Dieu pour ta guérison. Il y a un autre homme qui a des douleurs au niveau de la cuisse, qui a un problème de nerf sciatique. Jésus te guérit en ce moment même. Il y a notre dame qui a mis toutes ses deux mains sur le ventre parce qu'elle souffre beaucoup au niveau du ventre. Maintenant, tu peux recevoir la guérison. Dieu a vu ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour ce couple qui prie pour un enfant. Il y a un homme et une femme, vous priez pour un enfant. Ça fait des années que vous attendez un enfant, mais Jésus vous a libéré maintenant et bientôt, sa femme va concevoir. Commencez à remercier Dieu pour la conception très bientôt dans le nom de Jésus, vous aurez un enfant et vous allez donner gloire à Dieu. Vous allez louer le Seigneur. Il y a une maman qui met toutes ses deux mains sur la tête. Elle souffre beaucoup de maux de tête, mais Jésus la guérit tout de suite. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci pour cet homme qui souffre sur la jambe droite, un peu en bas du genou droit. Je te remercie pour cette douleur que tu es en train de guérir. Tu sens quelque chose. Tu souffrais beaucoup, mais maintenant tu peux te lever, tu peux marcher au nom de Jésus. Il y a trois filles qui souffrent beaucoup des règles douloureuses. Quand vous allez dans les que vous souffrez beaucoup, vous mettez vos mains sur le bas ventre, Jésus est en train de vous guérir grâce à votre foi. Merci Seigneur pour cette dame qui souffre de l'infection. Il y a une dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire, Jésus te guérit tout de suite. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau du poignet gauche. Le poignet gauche te fait souffrir, tu souffres beaucoup au niveau du poignet gauche, mais Jésus te guérit. Il y a une autre personne, j'ai déjà dit quelqu'un qui est guéri de l'œil gauche. Il y a une autre personne, une deuxième personne qui est guérie de l'œil gauche, qui souffrait au niveau de l'œil gauche. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de la puissance. Ça fait plus d'une année que tu ne peux pas connaître ta femme, mais maintenant tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une dame qui est guérie de l'hypertension. Je te remercie Seigneur pour cette dame qui est guérie de l'hypertension. Il y a une autre personne qui est guérie au niveau du genou gauche au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui vomit, qui a diarrhée, vomissement. Ton enfant est guéri dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie Seigneur pour toutes ces guérisons. Je te demande à toute personne qui est en train de prier, commence à remercier Dieu, commence à élever ta foi, dis merci au Seigneur pour la guérison, que tu vois ça ou pas, parce que la parole de Dieu dit, quand vous priez pour une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous le verrez s'accomplir. Il y a une autre personne qui souffrait au niveau de la côte, Dieu te guérit en ce moment même. Merci Seigneur pour ces guérisons. C'est le moment de remercier Dieu. Je demande à toute personne de remercier Dieu, que tu aies entendu ta maladie ou pas. Jésus a intervenu, c'est la foi qui compte. Je te remercie Dieu Tout-Puissant pour les témoignages, pour les enfants qui vont naître,
prophètes. Pour les miracles qui vont s'opérer, on va entendre des témoignages qui proclament ta puissance. À toi seul, Seigneur, la gloire et l'honneur pour des siècles de siècles. Merci, Seigneur, pour toutes ces guérisons. Merci pour cette personne qui souffre au niveau du bras gauche, au niveau du coude. Merci pour ton amour, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, accepter Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles, si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider.